Les noms de sous sont dans la carte de la biseau. Nous appelons à l'apôtre Jeff. Oyo, deux ans et demi, je crois. Azape la carte de la biseau. Et la basse, Azape Moussous, docteur, télé pour la Ganaïa. Donc c'est bien d'abord que télé Missa. Papa Nabiso, prophète Kiala, écoutez les mains, pour la Kiala. J'ai dit d'abord ceci. Ceux qui m'ont posé une question, Maïe Bomaki Mokili, Natangwa Noé, et Utekiwapi. Si on te posait la question de savoir d'où provenaient les eaux qui avaient détruit la terre du temps de Noé, il ne faut pas répondre comme d'autres assemblées du dehors. Tu vas répondre que ces eaux-là provenaient des cieux. Et elles provenaient aussi des sources du grand abîme. Et si on te demande l'écriture, Genèse 7, verset 11. Tu donnes l'écriture de Genèse 7, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'an 600 de la vie de Noé. Voilà, 600 à bon moyen Noé. Les 50 mois. Na 100 ans et balé. Les 17e jour du mois. En ces jours-là, toutes les sources des grands abîmes jaillirent. Donc, c'était d'abord les sources du grand abîme qui avait fait jaillir. Et les églises des cieux souffrirent. Donc, deux places. Ça va. Les eaux qui avaient tué la terre. Qui avait détruit la terre pour venir de deux ans. Soyez dans Genèse 8, verset 2. Dans Genèse 8, le verset 2. Quand vous avez comme un souk en Akatali Kambouana. Lorsque le Seigneur parlait de la fin du début. Les sources de l'abîme et les églises des cieux firent fermer. Bantima yase ya bamaï pe banini sama koloi tangama. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Père voula et bêta qui ne sous n'a pas donné. Et où t'as déplacé ça la tina. Les sons provenaient de deux places et cela a son parce importance. Parce que nous avons l'Apocalypse 8, Apocalypse 9. Parce que nous allons le voir d'Apocalypse 8 et 9. Après, Nasimawana, nous disons ceci. Corbeau, le corbeau, tango balacha qui est. Lorsqu'on l'avait relâché, la colombe, avec la colombe, la colombe était relâchée en son temps, qui? Le temps où elle était apparue, et corbeau aussi à Kedaka Liboso. Et c'était le corbeau qui l'avait précédé. Mais il faut analyser à où ils en la Bible. Mais tu dois voir l'enseignement de la Bible. Avec l'Écriture sainte.
et dans les saintes écritures. Tu diras aux gens ceci. Même lorsqu'on avait lâché la colombe, il y avait le corbeau avec elle. Trois départs ya colombe. Tous les trois mouvements de la colombe. Il y avait le corbeau à côté de la colombe. Si on te demandait l'écriture, au PC Genèse 8, verset 7. Tu dis donc Genèse 8, le verset 7. Il lâcha les corbeaux. Adika qui combe combe. Qui sortit. Oui, Abima qui. Partant et revenant. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Vous savez que la colombe était partie, les eaux étaient en train de se faire. C'est-à-dire le corbeau aussi était parti avec. Amen. Balobi, yo loba na linda la sona otanga na français. Il lâcha les corbeaux. Atika qui combe combe. Qui sortit? Oui, Abimaki. Partant et revenant. Akenda azala ki ko kenda pe ko zo. Partant et revenant, c'est tout un enseignement. Donc ko kenda pe ko zo ka sali la kisimo. Partant et revenant. Ko kenda pe ko zo na. Parce que batali sa ka bide mbosi ya deux serviteurs. Corbeau na colombe. Parce qu'on parle aussi des signes de deux serviteurs, le corbeau et la colombe. Et c'est des serviteurs, bataille, ça aussi, il envoie deux pluies. Et il parle aussi de deux pluies. Moko atali saka loi, moko atali saka grâce. L'un des oiseaux représente la loi et l'autre la colombe atali saka comme grâce. La colombe représente la grâce. Et la loi wana toujours moi na Moïse. Et la loi nous voit Moïse. Et la colombe toujours moi na Christ Jésus. Et la colombe nous voit le Christ Jésus. Mais toujours nous ensemble que quand Christ Jésus a yaki, on a qui Matthieu 17 Moïse azalaki. Et nous croyons que à la venue du Christ, il y avait aussi Moïse dans Matthieu 17. D'ailleurs, tant aux autres l'écriture. D'ailleurs, en lisant les écritures, dans le langage yango ezaleli, telle qu'elle est, quand la parole est dans l'église. Lorsqu'il y a la parole dans l'église, il y a aussi les corbeaux. Et ça lipe na combe combe. Donc la loi. Donc mon béco. Zola na mala. Pourquoi j'ai dit? C'est pourquoi na zolo. Dans au moni grâce. Lorsque tu vois la grâce qui vient. Loi et ça. Il y a aussi la loi avec elle. Zola na mala. Suivez attentivement. Ah. Ismaël abima nanda kuya Abraham dans Isaac azo c'est vrai. Donc Ismaël a quitté la maison d'Abraham lorsqu'on faisait quitter aussi Isaac de donc, la laine. Donc tant Isaac a botamani. Lorsqu'Isaac était né, Ismaël a longwanda. Ismaël n'avait pas encore tourné vraiment au béti bomoni Ismaël. Donc Ismaël était toujours là présent dans la maison. Béti tour Ismaël. Un tour et puis tu vois Ismaël dans la maison. À toi qui moi tant na gar. Il avait pris un temps lui et sa mère à Adar. Voilà voilà moi. Amen. Et tant que comme il est rassemblage, donc assisi comme est à ma bébé. Lorsque Isaac voulait être sévère, elle m'a ça la fête. On veut maintenant faire une fête. Ismaël. Donc Ismaël quitta la maison. Les temps ont toujours mis à ma bébé. Comme les temps ils sont tournés. C'est Ismaël à ça. Tu verras Ismaël à côté de nous. Donc il y a une loi, ma camoussou, ton sale et la ca, et ça n'a qu'à ta loi, et la péché. Cela veut dire donc les choses que nous faisons se retrouvent dans la loi et ce n'est pas un péché. Donc tant que moi il m'a présenté colombe corboisa. Lorsqu'on présente la colombe, il y a aussi le corbeau. Tant que moi la grâce. Lorsque tu vois la grâce. Loi Isa. Il y a aussi la loi à côté. Nous allons la madame Nengzali. Suivez attentivement. Il y a mon défaut, mais on dit que corbeau azala qui pour qu'il ne kuzonga ti tant que moi il kauka. Donc tiller colombe kenda qui corbeau pas kenda. Donc le corbeau était toujours là, même dans le même temps a été dans le mouvement là pour représenter la colombe. Mais on ne va pas mentionner le corbeau, mais on va faire seulement. Quand Salomé l'arrivée de Jésus-Christ, oui, il y a Jésus-Christ. Il est né sous la loi. Donc, à bon temps, il a ça, mon béco. La loi était, mais il y avait la colombe. Vie. Il y a aussi la colombe qui est là. On ne va pas enlever le corbeau, il était là. Christ. Et résister d'après les écritures. Christ a donné l'après les écritures, c'est que c'est d'après la loi. Après les écritures, c'est d'après la loi. Ceux qui t'ont jugé un problème dans l'église. Si nous voulons juger un problème. Donc utiliser corbeau, Moïse. Nous allons utiliser Moïse le corbeau. Il faut deux ou trois témoins. C'est l'enseignement du corbeau. Amen.
Lorsque nous parlons de chantre, l'apôtre Mokote a été bissé qui va chanter. Aucun apôtre n'avait établi de chantre à son temps. Si nous voulons parler de chantre, nous croyons même que nous avons la colombe, il y a le tambour. C'est pourquoi nous établissons le chantre aujourd'hui. Amen. Tant toujours expliquer dîme, offrande. Lorsque nous expliquons. La colombe, mais corbeau est présent. Nous avons la colombe, mais il y a le corbeau qui est aussi présent. Et à moi, il faut y baboyer. C'est pourquoi tu dois savoir ceci. La nouvelle alliance. Boyokani Asika. Ezobanda Natanoyo Nissan Ikiti. Débute au moment où les sang fut versé. Et la nouvelle alliance bandit. C'est alors que commence la nouvelle alliance. Yaki, lorsque la colombe était venue, Jésus Nathaya, Matthieu, Marc, Jean, Luc, Makomango, le Christ Jésus, vraiment du temps de Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'était le temps de Congo. Au moins l'écriture au Babé Sibiso. Vous voyez l'écriture qu'on vient de lire. Il y a Matthieu 20, verset 8. Matthieu 20. Toujours le bas Amen de Corona. Nous disons Amen à cette écriture. Pour bah, présenter Sibiso, l'intendant. Parce qu'on nous a présenté l'intendant. Mais, Isa, l'intendant, voilà, c'est lui-même le rémunérateur. Amen. Donc l'intendant, il est mon commandant. Donc, le Seigneur d'abord, a mis un intendant. Colombo l'a été. Le Seigneur lui-même aussi s'appelle intendant. Jésus n'est pas dans cette alliance. Il est dans cette alliance. Bonjour, madame. Amen. Intendance veut dire tout simplement service. Donc l'intendance, c'est ça d'abord. Donc, synonyme d'amour, il est dans mon souci. Donc les services. Vous êtes là, madame. Amen. Oyonyoso, docteur Alobi, est vrai. Tout ce que vient de dire, docteur, est vrai, noir sur blanc. La boye, au moment en beauté, que mon boye intendance. Donc tu ne le verras pas écrit comme ça, noir sur intendance. Combo en diacre et outil na katia diakonos. Donc le mot diacre, la grecque. Si tu le traduis en français, cela veut dire service, intendance. Moussa l'intendance. Vous aurez la malade, moi. Amen. Donc, comme on va venir à diacre. Donc, le mot diacre. Diakonos. Diakonos. Et ce qu'on met en bon dans le France. Et si tu le traduis en français, service. Cela veut dire le service. Service, c'est intendance. Et le service veut dire aussi intendance. On l'anime à la moi. Tu as bien suivi. Mais ma ordre ou ma piste, c'est l'ordre de critère. Bisso, ma santé, tu veux, Kanayamboka, Kandengue, docteur Manu a répondu à qui c'est ça. Amen. Mais nous, les seuls, nous veillons au critère tel que le docteur l'a repris. Mais ton cobo, il y a une tendance. Corbo, à la présent. Mais nous n'allons pas écarter les tendances parce que le corbo aussi est présent. Vous aurez un amalam à la présent. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ a Zaranabino Malam. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Banzelanio Sotolikaki. Dans tous les chemins où nous sommes passés. Parce que d'abord, Gana n'a pas tombé en enseignement. Gana za et le côté. Je ne suis rien. J'aime d'abord qu'on puisse établir l'enseignement qui a plus de valeur. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de l'enseignement. Tozalaki na Ariwara aussi. Nous étions aussi à Ariwara. Et Komaki aussi Kampala. Nous étions aussi arrivés à Kampala. Kinshasa. À Kinshasa. Et Basanto, on a dit sur la tête qui bambote na bango. Nous avons fait 7 ans. Et banda ya Kisangani. En dehors de la ville de Kisangani. Maintenant nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés dans notre maison. Tous en attendent vraiment pour la moussa. Nous avons vraiment du temps pour
œuvre de Dieu. Et toutes les manières que Dieu va préparer le programme. Nous ne sommes vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Si vous prenez Exode 29, verset 22, si vous prenez Exode 29, le verset 22, la bélier à consécration. Concernant le bélier de consécration, Zamba ordonna que batia mokila. Le Seigneur avait ordonné qu'on mette la queue. Nous avons consacré Aaron na banana. Lorsqu'on consacrait Aaron et ses fils. Exode 29 verset 22. Donc Exode 29 le verset 22. Donc présence à mokila wa les abotalisa. La présence de cette queue représentée. Aaron tant to bondio na musala ngolo batokomisio mutu ya suka na. Aaron, lorsque nous t'avons consacré dans l'œuvre, c'est-à-dire nous t'avons fait le dernier peuple. Nous suivons attentivement. Donc nous, comme nous sommes là, nous sommes les derniers des hommes. Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Que Dieu bénisse. Nous serons disposés pour travailler ici au cas où il y aurait notre besoin. Que la paix du Seigneur soit le partage de tous. Vraiment, bon, la bino, la nionso, la Vraiment, que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Donc, vous êtes heureux parce que vous vous retrouvez dans la parole. Et c'est ce qui fait notre joie. Parce que 2 Corinthiens 4, verset 17, et 18, et 18, parce que 2 Corinthiens 4, verset 17, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles. Parce que c'est celles qui sont éternelles. Et le Seigneur vous bénisse richement dans le nom de Jésus-Christ.